Les erreurs les plus courantes que l'on peut voir sur le swing, tout d'abord, c'est un manque de coordination entre le bas et le haut du corps. Donc là, on voit que le mouvement est complètement dissocié entre la flexion et l'extension des hanches et du genou, ainsi que justement l'élévation du kettlebell. Ouais. Et là, on voit qu'il y a une bonne coordination entre les deux. Super. La deuxième erreur que l'on peut voir, c'est justement un manque de contrôle sur le retour du mouvement. Donc là, on voit que Daniel relâche complètement au retour. Donc ce qu'on va demander, c'est de garder toujours la courbure au niveau lombaire. Voilà, de commencer d'une position de départ et de garder la position au niveau du dos en engageant surtout la sangle abdominale. Yes. Et il contrôle bien le retour du mouvement à chaque fois. Super.